That is not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? Genre, je vais le faire que en anglais, je vais le faire super creepy, super dark. On vient de se lever. Apparemment, on a un temps de merde. Ok. Regarde, ça va. Ouais, ça va complètement fausser mes plans en fait. Ça va complètement fausser mes plans. Réfléchissons vite. Le problème dans ce jeu à chaque fois c'est qu'on est pressé par le temps. Et faut toujours qu'on réfléchisse en fait. Faut qu'on réfléchisse très vite. Que fait-on? Si on peut passer. Oh, on peut passer la nuit ici. À la limite on pourrait passer la nuit ici, mais j'ai vraiment pas envie. Parce que ça serait de la. Perte de temps en fait, c'est ça le problème. Grosse perte de temps. Ah là 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 là. Est-ce que c'est. Attendez. Ce serait bien qu'on puisse enjamber. On va se mettre là. Ah la, la porte fait 4 fois je crois. Ok. Ok. C'est parfait parce que maintenant je peux un peu parler. Alors. Mais comment c'est possible qu'il fasse aussi chaud? Ça, c'est un, moi je pense que c'est un bug personnellement. Je pense que c'est un bug. En fait c'est comme si on était dans une maison. Alors que bon, c'est de. Ça c'est des vitres. C'est de la glace, hein, c'est des vitres. Il y en a qui sont cassés. Après c'est du bois, enfin c'est pas. Hein, c'est, ça tient pas chaud quoi. C'est pas une maison. Enfin c'est pas à l'intérieur de la maison. Alors le problème que j'ai déjà c'est que. Bah, point de vue visibilité, c'est. C'est la merde. Je sais plus trop de quel côté faut aller. Un truc que je voulais rajouter, c'est par rapport à une. C'est une petite information, c'est que. Si vous continuez en fait vers la montagne, je crois. Putain, je vais aller voir parce que je sais pas où c'est. Attendez, il y a la grange, il y a le silo là, la grange là. Je crois que là-bas, il y a la route. Oh merde. Ouais, non, 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 non. Pas défoncer mon. Utiliser tout mon stamina. Oh non, ok, on rentre. Est-ce qu'il me courait après? J'entendais des mouvements derrière moi. J'entendais des mouvements. Ok, alors. Bon, imaginez un peu la carte. Je l'ai pas faite la carte. Bon, imaginez, voilà. Ça, c'est la ferme. Nous, on est là, nous. Bon bah laissez tomber. Imaginez là-bas, en face je crois qu'il y a la route qui fait comme ça là, qui fait de droite à gauche. Il y a le pont qu'on va aller par là-bas. Je sais, si j'avais une boussole et tout ça, une map toute faite, je pourrais vraiment le montrer beaucoup plus facilement, mais j'ai pas. Un jour, je promets, un jour j'aurai la carte. Et on pourra bien voir les endroits détaillés, mais pour l'instant on fait avec ce qu'on a. Donc imaginez ça. Et après, si vous êtes sur la gauche, donc il y a la route et le pont et les voitures, c'est où c'est qu'on veut aller, nous. Et si vous continuez, en fait, là, dans ce côté-là, c'est le haut des montagnes. Et les montagnes, il y a des caches
des caches de réserve, de nourriture, de quoi que ce soit. Mais si je me trompe pas, je crois que c'est complètement aléatoire. Donc des fois elles apparaissent, des fois elles y sont pas. Je suis tombé peut-être sur une, sur toutes les fois où c'est que j'ai testé. Donc ça vaut vraiment pas le coup de tenter, surtout en intrus, mais voilà, c'est juste au cas où. C'est genre des petites trappes dans le sol, je crois, si je me rappelle bien. On n'a pas un livre à lire? Parce qu'on a la gelure aussi, je voudrais bien faire baisser la gelure. Enfin, la gelure, elle n'est pas état critique, ça va, c'est pas grave, grave. Ça c'est embêtant de pas pouvoir lire quand on a faim, ça c'est extrêmement chiant. Oh putain, ça c'est une perte de temps ça. Ou alors on dort et on se déplace la nuit. On va dormir, on va se déplacer la nuit tout simplement. Il n'y a pas à réfléchir 5 ans parce que là c'est du temps qu'on perd là. C'est tout simplement du temps qu'on perd. 250 calories, j'espère que ça va être suffisant. Très bien. Ah, ça m'embête. On va se déplacer la nuit. C'est pas très grave parce que la nuit, bon... Oh mon dieu... T'es sérieux, il y a toujours la tempête 3 heures après ? Enfin, je disais la nuit, je pensais la soirée dans un sens, mais apparemment ça va être vraiment la nuit. Oh mon dieu, merde. 500, ça casse les couilles quand même. Ça, on va les garder. Faut qu'on en récupère sur le passage. Avant de partir de cette zone, avant de quitter cette zone, faudrait que j'en récupère. Encore 3 heures. Là, on sera en pleine forme, normalement. Vous réveillez en pleine forme. Ok. Je suis désolé, mais ça va être légèrement chiant pour se repérer maintenant. Ok, on a 3 litres sur la table. On a 5 litres sur nous. On a du... Non, ça va, on y va, allez. Ça va être légèrement chiant pour se repérer. Voilà, donc là-bas, en plein devant, en tout droit, c'est les montagnes et c'est les caches, normalement. Il y en a possiblement 3. Mais nous, on va pas y aller. Je déteste tester les... Moins 17, ça va. Je déteste tester les planques, les caches de nourriture, tout ça, quand je suis en intrus, c'est horrible. Là, il y a le pont devant, on le voit, on le distingue. Donc ça va, c'est bien, on est au bon endroit. Je déteste ce temps où c'est que la neige, les gros flocons là, ils sont super épais. On voit rien. Je sais pas si c'est un effet d'optique. Je sais pas si ça vous le fait à vous, mais... Mais moi, j'ai l'impression que j'arrive à moins distinguer les choses, en fait. Ça doit être différent par rapport aux gens, je pense. Mais ça me fait toujours étrange. Et encore, là, c'est... Y a pire. Normalement, il y a pire. Hein. Ça, c'est... Là, c'est encore très gentil. Les flocons... J'ai genre déjà vu 3 fois ça. Tu vois que dalle, tu distingues rien. Même s'il n'y a pas de brouillard, tu distingues rien parce qu'il y a trop de neige. Alors un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est là-bas, je crois, dans les montagnes là-bas, en tout droit, il y a un... Comment ça s'appelle ? Une tour, je crois, une tour de guet ou une tour de chasseur, un truc comme ça. C'est possible de trouver des choses, mais comme j'ai dit, ça, c'est des endroits qui sont petits, il y a peu de chances qu'il... Après, il y a toujours des chances d'avoir des très bons objets, c'est ça le truc, hein. Genre un fusil, un truc comme ça, mais bon... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. On peut pas trop s'amuser à vadrouiller partout. Et comme j'ai dit, un jour ou l'autre, on reviendra ici quand on aura plus de... équipement, qu'on sera en meilleure santé.
Un truc que je voudrais dans le jeu, parce que déjà on a déjà des skills qui augmentent au fur et à mesure. Tiens, peut-être qu'on peut. Y a rien. Non, y a rien. Non, on va continuer le long de la route. Il y a toujours, il y a les skills par exemple augmenter avec les. Oh, il y a une cabane là-bas, on va la voir. Je sais pas si on peut rentrer dedans. C'est quoi ça, c'est un cerf? Putain, j'arrive pas à distinguer. Si, c'est un cerf, ça va. Ça veut dire qu'il y a peut-être pas trop de loups, parce que sinon il serait parti en fait. La logique voudrait qu'il y ait des loups, parce qu'il y a des cerfs, mais en fait c'est à l'inverse, c'est que. Vu qu'ils font peur aux cerfs, s'il y avait vraiment un cerf, il serait pas là, vous voyez ce que je veux dire? Ça. C'est, normalement c'est paradoxal, c'est l'inverse normalement. Carcasse gelée. On n'a pas d'outils, ça va prendre des heures et des heures si on veut vraiment le faire. Et ça va surtout prendre du feu quoi. Oh, putain, on a beaucoup d'objets quand même, on a beaucoup de feu dans un sens. Ça pourrait le faire mais bon. Je pense que ça serait plutôt gâchis. Hein. Non. Je peux pas cavaler. Ah putain, ça me fait chier. En fait, faudrait. Ah, ça m'énerve. Allez. Quoique non, j'ai dit que non. C'est quand même un très long chemin qu'on doit faire. On va crever de froid. Ah, ok, d'accord. Oh la vache. Je suis indécis, ça c'est très très mauvais quand... Quand vous... Désolé, si on voit pas grand chose, je sais, c'est très emmerdant. Être indécis, c'est très mauvais dans ce mode. Le problème, c'est que faire du feu comme ça à l'air libre, c'est bien joli tout ça. Mais s'il y a une tempête, c'est mort. Hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de feu. Hein. Donc là, ce qu'on voudrait faire, le mieux, ça serait dégeler la carcasse, qu'on puisse la arracher la. Damn it. Qu'on puisse arracher avec les mains la viande. On va se réchauffer aussi. On va utiliser les gros morceaux de bois parce que ça pèse lourd. Mais le problème, c'est que, comme j'ai dit, c'est qu'il faut dégeler la carcasse et ça prend quelques heures. Ça dépend après la température du feu, mais vu qu'on va utiliser des grosses bûches, la température va être très élevée. Mais bon, quand même, ça. S'il y a le vent qui se laisse, c'est mort, quoi. C'est ça. Je parle beaucoup à chaque fois, mais bon, comme j'ai dit, c'est le début. Ça va être comme ça tout le long, en fait. Pour le moment, en tout cas. Plume de corbeau. J'ai vu une autre plume ici. C'est bien. Les plumes, c'est important. Ça, c'est pour les flèches, hein, plus tard. Donc, on en profite. Ok. Le charbon, alors on le garde. Par contre, on va ajouter ça. Ça va augmenter la température du feu. Ok, parfait. Non, on n'a pas besoin de la musique qui fait peur. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Reste cool. J'ai envie de faire ces trucs-là.
comme ça ils seront prêts. ...63%. On va encore en faire. On n'a pas besoin de rajouter quelque chose du feu encore, donc ça va pour l'instant, il n'y a pas de problème niveau vent. Je suis content, je croise les doigts. Parce que il va falloir récupérer la viande, mais il va falloir aussi la faire cuire. Et ça, c'est un problème. La carcasse, 26%, parfait. J'ai même 3 tendus en fait, 58 minutes. C'est parfait. Ok, très bien. Waouh, le temps est bon. Est très très bon. On va faire de l'eau parce que j'ai fait les tisanes. Je crois que le temps se lève là, le temps se couvre. On va faire 1 litre. On va récupérer une torche parce qu'il faut. Attends, des torches. Ok, pour l'instant ça va. On est bon. C'est pas la joie niveau torche, mais c'est pas grave. On a encore 4 litres, ça va. Ça c'est une sorte un peu de bug. Pas de bug, mais c'est un peu un truc automatique en fait. C'est qu'il y a des plumes qui se créent autour du. On va rien prendre le reste, on en a pas besoin. Enfin, si, on en a besoin, mais ça prend trop de temps, regardez. Genre 40 minutes là, putain, c'est chaud. Quoique, dans un sens, je le ferais bien. Mais... On a trop de... Non. On va pas le faire. I can barely walk with this much gear. Ok. Je vais voir, torche. On va prendre ça là. Donc comme je disais, il y a des plumes qui se créent, je pense, alors que il n'y a pas de corbeau la nuit. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de corbeau la nuit. Bon, la chose qui est bien, c'est qu'on va continuer à utiliser les torches, on va aller sur la route. On va continuer à utiliser les torches jusqu'à ce qu'on arrive à la grange. Parce que là, on est encombré, on peut pas courir. On a de la viande. Il fait nuit. Par contre, pourquoi j'ai fait cuire toutes les viandes, non? Normalement, je devrais pas sentir. Hein. Je devrais pas avoir cette odeur. Un peu bizarre. Ok. Donc on suit la route. Et puis à un moment, il y a un chemin pour aller à gauche et il faudra le prendre. Voilà. On prendra l'autre torche aussi. Celles qui sont à 50%, on essaye de les garder de côté. Hein. So cold. So cold. Là, on a froid. On a faim et on est ultra, ultra lourd. Honnêtement, j'ai légèrement peur. Ah, c'est l'arc. Je crois que c'est là. C'est à cet endroit. Je crois qu'il y a une voiture en face. Ouais, c'est une voiture. Ok, on va
on va aller dans la voiture en premier. Bon, dans un sens, c'est bien le coup d'avoir récupéré de la viande. J'avoue que ça. Allez, j'avoue, ça valait le coup. Ah ben, double combo. On prend tout. Après, on fera un tri pour partir, parce que pour partir, je crois qu'il faut prendre des. Il va falloir prendre une corde, je crois. Escalader, je sais plus trop. Ok, l'arche, elle est là. C'est quoi ça? Je sais pas. J'entends des bruits. J'ai l'impression d'entendre d'autres bruits que les miens. De pas. Ça, c'est des lapins, ça va. On la voit, la grange. On se calme. De toute façon, comme j'ai dit, c'était des torches. Elles sont trop abîmées pour faire du feu. C'est trop dangereux, en fait, d'essayer de faire du feu avec ça. Enfin, il y a un danger, donc autant les utiliser, comme ça on est... Comme ça on est sûr de pas crever, quoi. Enfin, on est sûr de pas se faire attaquer, c'est des grands mots, mais normalement on devrait être tranquille. Ce que je voudrais faire, c'est manger un peu et dormir le reste. On fait un feu ou pas? Parce que là on a une torche, on peut faire un feu. On peut très bien faire un feu. Mais je pense pas qu'on en ait besoin. Ça aussi, le fait de garder une torche allumée tout le temps. On peut créer des feux. On peut en créer plein des feux partout. Donc c'est bien. Je vais voir un peu la chaleur qu'il fait en fait. Ok. Combien on est à 2? Alors maintenant... Non, voilà. Moins 1, mais dans la voiture ça sera bon. Là on a de la corne, on a de la... Machin... La peau, outil de qualité. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Torres, on est bon. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Je pose les choses pour pas qu'elles soient encombrées pendant qu'elle dort en fait. Ça fait une différence. Ah, c'est ça, c'est pour ça, c'est le boyau frais en fait. Je me disais aussi. Alors, j'ai tout mangé? Oh, non, ça j'ai fait pause. Enfin non, je suis sorti juste avant. Donc dans la voiture c'est bon, il fait chaud, donc il n'y a pas de problème. Enfin, il fait chaud, façon de parler, hein, comme d'habitude. Voilà, très bien. Alors là, on va faire une... Il est quelle heure? Bientôt la nuit. Bientôt la journée, pardon. On n'a pas trop de vie, donc il faudrait dormir 6-7 heures, je pense. Et ça devrait le faire. 6-7 heures. 6-7 heures. Et ça va le faire. Et après, le lendemain, on se casse. On se casse de cet endroit. On va peut-être encore dormir une petite nuit, mais je sais où aller, en fait. Enfin, on va voir. Mais voilà, le but, c'est de se casser. C'est de se casser de cet endroit, parce que je peux plus le voir, cet endroit. Bon, le truc, c'est qu'on va être lourd, mais c'est comme ça. Ok, on se réveille. Oula!
On se réveille, mais... on a toujours la gelure à 33%, ce qui est très élevé parce qu'on a dormi pas mal d'heures. Et on n'a quasiment rien récupéré en vie. Ok, ça c'est par contre c'est un problème. Je crois qu'on va devoir faire du feu. Avant de partir, on va devoir se réchauffer. Et on va devoir soigner la gelure, je pense. Et on va devoir faire un choix sur quoi prendre. Alors ça, non, ça prend plus de poids, hein, de les avoir fait comme ça, mais on va s'en débarrasser bientôt. On arrive bientôt à notre camp. C'est pas très grave d'être surchargé. Et encore. Je dis ça, mais ça reste quand même un problème. Ok. Bon, on va faire un choix sur quoi prendre. Parce qu'on peut pas tout prendre. C'est un pied de biche, oui. Mais là, on a un problème. On peut pas tout prendre. On va laisser des choses ici. C'est pas extrêmement loin. C'est pas extrêmement loin, cette zone. Donc on pourra y revenir si jamais. Genre ça, par exemple. C'est bien. L'eau, on la laisse. Marteau lourd, on en a deux. Fourrure de lapin, on la laisse. C'est outils de qualité, ça c'est outils simples. Ok, après on a du bois. Le On va le prendre. Là on a un marteau et là on a des boyaux. Ok, on va balancer un marteau ici. Il faut qu'on enlève du poids là parce que là on va rien faire. On va mourir en fait. En fait, le problème c'est qu'on va être lent. On va être très très lent. On va mettre dessus le parterre. On va être très lent et ce qui va nous poser un problème c'est qu'on risque de geler sur place évidemment. Voilà, tout ça à côté du baril enflammé. La corde, on est obligé de la prendre parce qu'on va avoir besoin de la corde. Ça, on prend aussi. Ça, les outils, on va les laisser pour le moment. On a la loupe. On n'a pas trop d'allumettes. On a 40 kilos. Ok. Ok. Je sais ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du feu à l'extérieur. S'il fait beau, on va utiliser la loupe. C'est pour ça que je veux vérifier s'il fait beau. Ok. On fait voir un peu. Parce que ici, c'est caché, c'est bien. Que ça soit un peu plat. 89%, parfait. En fait, ce feu, il va servir à quoi? Tout simplement, il va servir à faire une torche. Il va servir à faire une torche parce que la torche, on peut pas l'utiliser, on peut pas l'allumer directement avec une loupe, ce qui est bête dans un sens parce que bon, on peut faire des feux. Mais je veux juste récupérer une torche pour pouvoir allumer le feu à l'intérieur de la grange. Voilà, tout simplement. Et pourquoi tout ce bordel de faire à l'extérieur puis après de rentrer? Bah c'est pour éviter d'utiliser des allumettes. Voilà, c'est tout con, hein. C'est vraiment tout con. Mais au moins on évite d'utiliser des allumettes. Voilà, voilà, c'est tout bête. On était à 89% de la loupe. Je veux voir combien ça utilise. Normalement, Perfect. pas beaucoup. Voilà. Aller faire du feu. Bon, maintenant, me fais pas la connerie. Si là, si vous voyez que la torche clignote trop, il faut changer de torche. Come on, little fire. Come on. Parce que là, on n'a peut-être pas une très bonne torche. Come on, little fire. Come on. Je l'aime bien, Torres. Elle a une belle voix en plus. Elle a une bonne voix. Je voulais rajouter aussi que je dors beaucoup.
Mais c'est le début, on est un peu obligé. On est... Enfin, pas obligé, mais c'est plus facile. C'est plus facile de... Tout simplement dormir, en fait. Ok, très bien. Ça éclaire pas du tout, hein, ces merdes, quand même. Hein. C'est un peu abusé. Hein. Pas ce truc. C'est le tissu. C'est la peau. Je vais faire un camp ici. De toute façon, parce que ici, on y reviendra sûrement. Donc autant laisser des trucs qu'on utilisera. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais tout le temps ça. Voilà, c'est un peu plus rangé. Alors, pendant qu'on se réchauffe, nous, ça va baisser nos pourcentages. Mais j'espère, en tout cas. Ce qu'on va faire aussi, c'est ça. On se fait chauffer un truc. Non, ça servira à rien. Ça servira à rien, mais on va manger. On mange ça. Comme ça, du coup, on va pas perdre trop de vie. 31%. Très bien, ça baisse. Alors, est-ce qu'on veut... Il faut du cuir, on n'en a pas. Est-ce qu'on veut réparer des trucs vite fait? Réparer, durée de la réparation 15 minutes. C'est très bien, pourquoi pas. On va le faire. Ça va nous... Oh la vache, t'es sérieux? Waouh! Putain! Niveau échec, ça va, ça se défend là, la vache. On a 38 kilos. On a deux trucs comme ça, on va les garder parce qu'on va sûrement avoir besoin de faire du feu plus tard. Plus loin. On a de la bouffe, on a un livre à lire. On va pas le lire. On a une de chaque, ça c'est bien, on la mettra dans le camp. On a deux... choses à aiguiser, ça c'est important. Quand on aura les outils, on a ça, un ça. On a trois torches, on va utiliser celle-là. Celle-là qui est pas trop. Je fais un peu l'inventaire là, désolé. Je sais, c'est peut-être pas très intéressant, mais on a la lampe tempête, on la prend avec nous, ça c'est très important. On n'a rien, on peut pas la ravitailler. La corde, comme j'ai dit, il la faut parce qu'on va l'utiliser. Là on peut faire du feu, on a à bouffer. Non, ça va. On a bon. À la limite le journal. On n'a qu'à le poser là. Parce que le journal on n'a pas besoin. Et ce que j'aime pas trop, c'est avoir trop de livres. Parce que ça s'empile et c'est pas très intéressant en fait. C'est pas trop utile. On est à 20%. Très bien. Est-ce qu'on a besoin de faire de l'eau? À la limite, je dirais oui. Where can I find something to eat? Ouais. Alors encore une fois, j'utilise pas l'eau que j'ai posée par terre exprès pour qu'on la garde de côté. Je crois qu'il y a le temps qui se gâte et ça c'est emmerdant ça par contre. Je sais pas si on va pouvoir partir maintenant. Parce que c'est déjà la moitié ouais, c'est déjà midi en fait. Risque de geler reparti, c'est très bien.
prendre un thé. Right, ça va, je... arrête de gueuler. On va prendre un thé. On va faire bouillir un thé. D'abord, je vais voir si on peut prendre une torche. Une torche à combien de pourcents? Ok, ça nous en fera deux. Allez, on va y aller. Oui, c'est en médecine. Chaud. C'est parti. Alors là, le problème qu'on a, c'est... Oh la vache. Non, ça... Oh, non, ça va, ça va. Fais voir ce que t'es... Non, ça va. Parce que des fois, quand on le fait trop tôt, pour checker la température, il faut que ça prenne en compte, en fait, faut que les degrés tombent ou alors montent. Donc j'ai tendance à le faire une fois que la porte se ferme, et c'est pas bon de faire ça. Parce que ça fausse le résultat. C'est pour ça que je check une deuxième fois. Ok, le pont est là, j'ai juste de le louper, c'est pas grave. On va devoir faire une pause casse-croûte. J'ai pas envie, hein, j'ai pas envie d'utiliser de la bouffe, mais le truc c'est que on commence à être trop bas en vie. Quand ça vous arrive. En intrus, parce que là on se fait attaquer par un loup, on est mort, hein. C'est fini, c'est là c'est la mort. Hein. Assuré, je vous le garantis. Donc, quand vous êtes trop bas en vie, commencez à éviter d'être affamé. Parce que là, ça va vite la vie, hein. Part vite, vous allez vite mourir. Ok, là on a des trucs. Ok. Alors attendez, ça c'est le deuxième pont. C'est là-bas qu'on doit aller. Ok, ça marche. Parce que je veux pas me perdre. Oh, j'aime pas monter les petites montées comme ça, là, les petites dômes. Parce que je sais jamais ce qu'il y a. Je vois rien. On est bon, on est bon. Ok, alors, but, parce que je pense que je pense que vous aimez bien quand je... Alors déjà, on a du loup qui est là-bas, c'est pas drôle. Mais vous aimez bien quand je vous explique ce qu'on va faire. Ok, okay, parfait. Ce qu'on va faire... Est-ce que des jeux durs, pas bon ça. Vous avez remarqué qu'on peut avoir un risque de gelure, même en ayant encore chaud. Alors ça, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais... C'est bizarre, hein. C'est très bizarre, j'ai l'impression que... En fait, je pense qu'on n'est pas resté assez longtemps au chaud. Je pense que c'est ça le problème. Et vu que notre température continue à descendre, bah, ça le prend en compte. Ça fait comme si la gelure pouvait réapparaître. Je vais essayer... Parce qu'il y a des loups hein, de l'autre côté. Donc je veux pas trop m'approcher de la route, en fait. Parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent vers moi. Je vais passer derrière. Alors, le haut de cette route-là, on va passer un autre pont. Et à ce pont-là, il va y avoir des maisons. Et avec... Alors, je croise les doigts à mort. Mais je pense que cet autre pont... Où c'est qu'il y a des petites maisons. Je crois que c'est une sorte de... comment dire... un carrefour, mais avec avec une barrière et tout ça. Enfin, un checkpoint, quoi. Ouais, une sorte de checkpoint. Où c'est qu'ils arrêtent les voitures et ils vérifient ce qu'ils ont. Donc, je crois que c'est ça. Et il y a quelques voitures, donc, comme je disais. Et il y a un endroit pour dormir...
Ça c'est bien. Et en fait je voudrais y arriver. Bah ça va, on le voit là, c'est pas très loin. On devrait. Je voudrais y arriver en fait avant que la torche s'éteigne, comme ça on peut faire un feu gratuitement. Mais j'ai peur qu'on ne puisse pas faire de feu à l'intérieur des bâtiments. Parce que si on peut faire un feu à l'intérieur des bâtiments, c'est pas de refus en fait. Tout simplement. Comme j'ai dit, le coup du. Le coup du froid, ça fait un peu chier. La gelure. Le coup de la gelure. C'est bizarre ça. On dirait qu'il y a une sorte de déco. Ok, d'abord on va checker les voitures. Si la torche meurt, on prend une autre. Ça c'est bon, ça c'est bon ça. Je veux pas que la torche meure. Faire très attention à la torche. Ouh, mais c'est joli ici. Désolé, je visite pas trop. Parce que j'ai peur que la torche meure. On va changer de torche. Mais c'est joli ici, je pensais. Oh putain, parfait. Je pensais pas que c'était comme ça en fait. Je crois qu'ils ont. Ils ont peut-être ajouté des trucs ici. Je crois. Y'a rien. Ne pas marcher sur la torche, je crois que ça vous fait des dégâts, donc faites gaffe. Ça vous brûle. Hein. Oh putain, j'ai cru que là... comment ça s'appelle? Ah, il y a un baril ici, d'accord. On pourrait faire du feu ici, donc. Ok, c'est du feu gratuit, on va le faire. Parce que je doute qu'on puisse faire du feu à l'intérieur de ces bâtiments. Il n'y a pas de cheminée, et je crois qu'il n'y a pas de baril, il n'y a rien. Et s'il y a un baril à l'extérieur, la logique voudrait qu'il n'y en ait pas à l'intérieur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on va le faire maintenant. Parce que je sais pas si j'ai besoin d'un feu. Donc au lieu de gaspiller les torches, on va faire un feu, voilà, tout simplement. Non, non, dépêche. Parce que sinon le feu il va mourir. Ok, très bien. Bon, le feu s'agite à l'extérieur, c'est très bien. J'aurais bien voulu une torche, tiens, putain. Désolé, nous allons chercher une torche. C'est parti. Parce que le chemin qu'on va prendre aussi... Ce qui est intéressant, ce qui est important à savoir, c'est qu'on va prendre une mine. Et dans cette mine, il va falloir récupérer du charbon. Pourquoi beaucoup de charbon? Au moins une dizaine. Parce que ce charbon va nous servir... Enfin, même si on peut en prendre plus, c'est mieux. Hein, mais ça va nous servir à crafter les outils. Parce que les outils, on va devoir les crafter très très tôt. Bon, là, il n'y a que dalle, il n'y a que du bois à casser. Il n'y a rien du tout. Bon, pas de chance ici. Un truc c'est qu'on peut dormir dans les voitures, ça c'est bien. Il y a des distributeurs, il n'y a rien. Oh, c'est un magasin, ça c'est bien ça. Magasin. Il n'y a rien. Que dalle. Ah, ok.
couture, c'est pas... C'est pas de refus, là y'a rien... T'es sérieux, y'a que dalle. C'est à Torchmer, c'est pas grave. Hein. Ah, des allumettes, très très bien. Micro-ondes, y'a rien... Mais putain! Oups, je me suis arrêté. C'est pas la joie. Et on peut pas dormir non plus. C'est un tout petit magasin et il a été complètement pillé. Des fois, il y a des écritures à prendre sur les murs. C'est rare, hein, mais c'est possible. Ah putain. Je suis un peu dégoûté. Ah, le coffre, je l'ai fait, le coffre. Ouais. Alors, on a plus un. Je sais pas si on n'était pas mieux à l'intérieur, en fait. C'est ça le problème. Je sais pas si c'est pas mieux à l'intérieur, c'est plus chaud. Enfin bon, là, ça va, 7 degrés. Allez. Alors, fais voir un peu... Parce qu'on a pas mal de trucs... C'est pas magnifique, hein. Et c'est pas magnifique, il faut qu'on mange. Je pense qu'on va devoir dormir. Le problème, c'est qu'on va devoir dormir. Je sais pas où. Ouais. Il y a pas de lit nulle part. La voiture, mais on va geler. Voilà, on fait un feu à côté. On fait un feu à côté de la voiture. Je pense qu'on va être obligé. S'il n'y a pas de lit à l'intérieur. Ah, je suis un peu outré. Et on va partir la nuit. On va aller chercher du bois. Attendez, parce qu'il fait trop froid. Oh non, elle est bonne cette torche. Vous avez vu la barre? Je vais voir s'il n'y a pas des massettes. Ah.
On voit rien, blanc sur blanc. On va prendre les massettes vite fait. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté aussi du pont. On va faire un feu près des voitures. Putain, c'est pas des massettes. Merde. On va faire un feu près des voitures. Et on va devoir dormir au moins 6 heures. Mais il va falloir que le feu soit assez gros. J'ai rien dit. On est sauvé, c'est bon. C'est bon, je crois qu'on est bon. Je crois que les maisons là, on peut dormir. Chiant de Torres. Non. Ouvert capot. D'abord, elle est là. Par il est enflammé. Même faire du feu, on peut s'amuser à faire des feux, hein, pour augmenter les skills. Par contre, il va falloir dormir, mais grave, hein. Parce que là, elle est en train de crever, la petite Torres. Et j'ai peur qu'elle parte dans les vapes, en fait, à cause du froid. Et puis, on est très lourd, donc elle se fatigue très vite. Là-bas. Y'a rien dans la niche. Dis-moi que il y a un lit. Je t'en supplie. Je veux pas dormir dehors. Ah, oh, c'est une maison. Oh, ça y est, c'est bon. Enfin, on va laisser ça allumer parce que de toute façon. Parce que je veux vite faire le tour de la maison et je veux pas louper des trucs. Et faut boire et dormir en fait. Parce que là on a les calories pour dormir, pour dormir au moins plusieurs heures. On peut récupérer l'eau, ça c'est bien. Ça, le gars, on le laisse là, on prend pas. Donc les calories, comme j'ai dit, les calories c'est pas pour, c'est pas pour les prendre, pour juste les prendre quoi. Enfin c'est pas pour en avoir, c'est surtout pour pouvoir passer les nuits et se soigner en fait. Donc là, faut en profiter. Ça va, je suis content d'avoir trouvé cette maison. Je pense pas qu'on serait mort. Désolé si je bégaye, mais je répète toujours la même chose. Je pense pas qu'on serait mort, j'aurais fait un feu à côté d'une voiture et au checkpoint là. Et il y a plein d'objets, donc ça bloque le vent. Et après on aurait tout simplement dormi dans le... Dans le truc quoi, dans une voiture. Il n'y a pas de cheminée. Table, que dalle. C'est un peu chiant quand il fait nuit. Waouh, eh ben...
On a rien? Ah oui, si, on a eu quoi? Un soda, c'est tout? Putain. Un soda, c'est tout. Bon, bah, je cache pas ma... J'essaye de contenir ma joie. Si on inversait. Ça a plus de sens, ça, non? Hein, ça a plus de sens, quand même. D'avoir le pull au-dessus, par-dessus la chemise. Ça, c'est gelé, ça, c'est un peu chiant. Faut qu'on le dégèle avant de pouvoir l'utiliser. Ok, allez. Combien de calories? 700 et quelques. On va utiliser le soda. Pour pouvoir vraiment beaucoup dormir. 250 calories, ça met de l'eau aussi. On va dormir. Et... On va dormir longtemps. Et quand on part, on va... récupérer l'eau des toilettes. Et puis on s'en va, quoi. Ouais, on va faire un... D'abord, je veux juste me vider un peu l'inventaire. Je vais faire ça. Recycler, bâton, 2 minutes. Parce qu'on a, on a assez de trucs pour 9h. 9h, c'est bien, 9h. Surtout quand on a aussi peu de vie. Parce que là, je suis à la limite de... Vous savez, quand elle commence à tanguer... Vous voyez le truc? Ben voilà, ça. J'ai envie de balancer des vêtements, mais bon, on n'en a pas beaucoup. Et ça peut toujours servir. Et on est que simplement à 36 kilos, c'est pas énorme énorme, donc on peut se débrouiller comme ça. Donc voilà, la prochaine fois, enfin quand on se réveille, on continue, on va à la mine. On va à la mine, et on va récolter le charbon au passage, et après on sera dans notre highway, dans notre route... Autoroute, pardon. Et là, on est bon. Là, on est très bon, là. 9h ou 10h. 10h, elle va avoir soif, je crois. 9h. Allez. À plus tard.